Bonjour, mes stagiaires, bonjour, mes étudiants. On va voir avec vous un cas pratique concernant le marketing. Érection, leader mondial dans le domaine télécommunication, existe depuis 120 ans. Pionnier en matière de téléphone mobile et numéro 1 pour le système sans câble. Ericsson a développé le système de communication le plus vendu au monde, baptisé AXE et déployé dans 17 pays. L'entreprise suédoise emploie 100 000 personnes à travers le monde, dont 18 ans dans sa branche recherche et développement. Le marché Ericsson est divisé en cinq régions: Amérique, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie du Pacifique. Dans le domaine des téléphones, le GSM est en passe de devenir la norme mondiale qui compte en l'an 2001 100 millions d'abonnés pour les trois catégories: téléphone numérique, mondial numérique et téléphone analogique. Le marché actuellement partagé entre Ericsson, 50 millions d'abonnés, Lucent 18 millions, Motorola 18 millions, NEC 15 millions, Siemens 7 millions, Nokia 6,5 millions, Alcatel 2 millions et d'autres 3,5 millions. Déterminer l'aire géographique du marché européen. Ericsson, indiquer et justifier la structure du marché, relever les indicateurs de la place Kama sur le marché local, déterminer la part du marché Ericsson, interpréter le résultat obtenu. On va déterminer l'aire géographique du marché Ericsson. Ericsson détermine l'aire géographique chez l'Amérique, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie du Pacifique. On va répondre aux premières questions. Et dans la géographie et constitué. Maintenant, on va répondre aux deuxièmes questions. Indiquer, justifier la structure de marché. Il existe un petit nombre de vendeurs.
Ça veut dire qu'il s'agit d'un oligopole. S'agit d'un oligopole. Il existe petit nombre de vendeurs. Troisième question. Le lever des indices justifie de relever les indicateurs de la plage de Scapa. Maintenant, voilà, je peux c'est relever la gare